Bien-aimés, nous sommes heureux parce que nous sommes dans la maison de notre Père. Amen. Nous ne sommes pas seulement à la maison, mais dans la maison de celui-là même qui nous invite les mercredis, les vendredis, les dimanches, et pour ceux-là même qui veulent bien aussi venir les autres jours, le Seigneur est toujours là, prêt à les recevoir. Amen. Nous allons comprendre ces choses. Nous soumettre parce que il n'y a pas meilleur lieu que ici, la maison du Dieu Père, là où est donné son conseil, là où chacun de nous reçoit de sa part nourriture pour son âme. Alors, bien aimé, ça se peut vous être béni. Amen. Pour ceux qui ne perçoivent pas l'effet et la réalité de cette évidence, bien aimé, je vous invite à y croire fermement et fortement. Amen. À chaque fois que vous venez ici, comme la parole dit, celui qui écoute la parole de Dieu est béni, celui également qui la lit est béni. Voilà pourquoi tout le temps nous exhortons, bien aimé, à vous plonger dans la lecture de la parole de Dieu, qui est également source de bénédiction. Que Dieu, dans sa grâce, nous soutienne et nous fortifie dans tout ce que nous faisons. Vous savez, on le disait autrefois lors de notre dernière intervention, mais l'une de nos interventions, nous avons parlé de la grâce. Disons que la grâce également était une bénédiction qui n'était pas méritée, donc imméritée, et est donnée gratuitement, elle est accordée aux hommes. Et c'est Dieu qui fait toutes ces choses, et pour ce que le Seigneur fait, a tout été fort. Alors nous chantons, c'est un Dieu que nous n'allons pas chanter, mais je l'ai dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alors, ce cantique, ces paroles se trouvent dans 1 Samuel. Il y a très longtemps, quand on sent cela, je me souviens, quand on était à Boézéchias, on le sentait très souvent. Et le Seigneur, bien aimé, nous invite à être saint comme lui-même il est saint. Amen. Voilà pourquoi nous parlerons. La sainteté. Nous avons invité le peuple de Dieu à être saint, comme son Père lui-même est saint. La sainteté, elle a fait beaucoup de choses. Non seulement il y a la crainte de Dieu, c'est également la haine du mal, souverain du mal, puis tout ce que le Seigneur n'aime pas, c'est ça aussi et surtout craindre Dieu. Et puis, sachez que lorsque nous faisons des erreurs, lorsque nous commettons des choses qui ne sont pas bonnes tout le long de notre vie, le Seigneur nous exhorte à dire, à non seulement accepter cette évidence simplement, simplement, et puis bien sincèrement, mais aussi à ne pas oublier qu'il pourrait éventuellement avoir des conséquences vis-à-vis de ce que nous commettons comme impair. Alors le Seigneur nous dit que lorsque tu l'acceptes, et que tu subis ses conséquences, parce que Dieu est avec toi. Et quand ces choses arrivent, on ne doit pas tout de suite crier au scandale. On doit subir, parce que nous l'avons cherché, mais tout en disant que Dieu ne nous a pas abandonné, il est avec nous. J'ai cherché quelque chose qui n'était pas bien, je l'ai trouvé, que le Seigneur me fortifie, parce que demain, je vais en sortir. Et lorsque nous sortons de cette situation difficile, c'est une expérience que nous avons acquise. Alors une expérience acquise fait de toi un homme qui est en train de mûrir. Demain, quand tu verras ton frère ou ta soeur dans cette situation, tu seras en même. Tu lui dis, soeur, prends courage, tu sortiras de cela un jour. C'est comme ça le Dieu. Quand nous nous mettons dans une situation difficile, sachant que quelquefois il arrivera où nous avons subi les conséquences, mais un jour arrive où il y a toujours une porte de sortie que le Seigneur permet afin
afin que nous puissions sortir victorieux de cette épreuve-là. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, nous allons voir donc inviter chacun de nous à être saint. Nous parlerons de notre quotidien, si ce que nous faisons est bon ou pas, si ce que nous faisons est agréé de Dieu. Alors, nous allons parler de quelques points et puis nous rendrons à la maison certainement dans une compagnie. Que Dieu soit loué. Dans le livre de Romains, chapitre 6, le verset 1, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Bien-aimés, voici les paroles que le Seigneur nous donne. Dans les temps anciens, nous comportons de quelque manière que ce soit des classistes qui se permettent à dire beaucoup de choses. Quand tu lis ces paroles, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce qu'on va vivre n'importe comment. Il y a des passages qui nous le montrent, qui nous exhortent à demeurer fidèles et saints dans toutes nos conduites. Alors, j'étais quelque part et puis, avec les différents passages des Écritures de Dieu, il y a l'inspiration qui vient. Quand ça vient, tu ne peux pas oublier que nous autres, nous sommes sujets à beaucoup oublier. On prend soin de prendre un stylo de noter. Au fur et à mesure, dès que tu vois à la maison ou alors au travail, on relit, on se ressource. Et par là, Dieu nous montre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, bien aimé, il y a une autre habitude de pouvoir rencontrer certaines personnes avec qui nous avons certainement des relations. Il arrive aussi que chez nous, même à la maison, nous avons certaines distractions. Et de par nos quotidiens, nous avons également notre manière de nous vêtir, nous avons notre manière de nous exprimer. Mais Dieu dit, soyez saints en tout temps et dans tout le monde. Dernier, c'est un élément très important. Alors j'étais là, je disais, et quelquefois nous regardons les matchs du football. Barça va jouer, Real va jouer, ce sont des matchs importants, il y a du grand jeu, et on va regarder. Et je me mets là, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que tout ce que nous regardons à la télévision, est-ce que cela est bon? Les films que nous regardons tout le temps, les 19h, que nous aimons, c'est quelquefois peut-être M, ou alors on regarde quelquefois, mais les femmes ont tendance à regarder ce genre de pays, comme soit indien, soit brésilien, ou américain, je ne sais plus. Mais imaginez-vous un temps soit peu, que vous êtes assis chez vous à la maison, en train de regarder soit un film ou en train de jouer à un jeu quelconque. N'importe quoi. Et dites-vous que le Seigneur est juste à côté de vous et il est en train de regarder avec vous. Est-ce que vous êtes convaincu que ce que vous regardez va apporter un plus à votre vie? C'est le cas du film de 19h par exemple. Et puis le Seigneur à côté. Et vous regardez ensemble. Je pense que lui sera à l'aise. Si tu es convaincu que le Seigneur également sera à l'aise en train de regarder ce film, c'est que là je vais. Mais si tu doutes que le Seigneur va également être à l'aise en train de regarder ce film, tu crois qu'il regarde. Ou alors tu regardes un match de football. Le Seigneur également est assis
Et puis, quand Messie veut marquer, il dit très haut, il a le pays. Je pense que le Seigneur va crier aussi, Messie, oh, Messie. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Tu es en train de réfléchir. Seigneur, tu vois à moi comment ça va. Et tu ne vas pas en train de t'asseoir en train de regarder les statues du monde. Tu es en train de crier au Yaloupi. Ou bien en train de regarder les 19h, où il y a les Indiens qui, avec leur poésie, sont en train de faire toutes sortes de scènes. Bien-aimé, est-ce que tu es sûr que Dieu est à côté de toi, le Seigneur lui-même à côté de toi? Parce que là où nous nous trouvons, nous aussi, il est là. Il n'y a pas quelque chose que toi tu fais qui va nous passer la peur. Ce n'est pas possible. Tout ce que nous faisons, dites-nous et dites-vous que le Seigneur est à côté en train de regarder ce que je regarde. Est-ce que cela l'aide? Tu es en train de parler à ton frère ou alors à ta soeur. La manière dont tu lui parles, le Seigneur est à côté, il le coupe. Souvent, quand on est avec nos soeurs, quand elles sont avec nous, elles font très attention. Même les enfants, quand ils sont avec les papas, ils font attention. Mais quand papa s'en va, quand papa est parti, c'est lui qui devient roi. Quand mon fils, quand c'est. Et c'est comme ça que nous sommes. On se dit que bon, le Seigneur, c'est seulement à l'église ici, surtout. Quand on voit le pasteur, on passe au Seigneur. Quand on voit un frère, on passe au Seigneur. Mais quand on se retrouve seul, on se dit que bon, le Seigneur est là. On se livre à des bêtises, à des choses qui n'édifient pas. Quand tu es à côté, tu vas dans un bistrot, en train de boire un petit verre de tout, dis-toi que le Seigneur a compris. Tu penses qu'il va prendre terre au secours comme toi en train de croire. À chaque pas, chaque action que chacun de nous va poser, dites-vous et disons que le Seigneur a compris, il doit faire la même chose comme nous-mêmes on peut le faire. Si lui s'abstient, alors toi aussi tu dois t'abstenir. Parce que ta conscience va te dire que Dieu ne verra pas pareillement. Bien-aimé, je vous prie de faire attention à tout ce que vous faites et à tout ce qui vous passe par la tête. Parce que c'est le lui seul qui est capable de lire vos pensées et de pouvoir guider ce que vous êtes en train d'imaginer. Il est le seul à quoi. À compter les suggestions, à chaque fois que vous faites quelque chose, même quand vous regardez, soit tes marches ou bien quelque chose que ce soit, bien aimé, je vous prie de faire attention. Les fait que nous regardons où on tue les gens, il y a du sang, les gens vous habituent à ça. À force de regarder les films où il y a tout du sang, le sang finira par vous dire que bon, ça c'est rien. C'est habituel. Tout doucement, il fait son effet sur vous. Au point où vous-même, vous ne vous rendez même pas compte. Et ça vous détruit tout doucement. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire, la familiarité, la vue du sang, vous êtes complètement familier. Elle est habituée à cela. Et lorsque vous voyez un sang qui va vous faire, vous avez l'habitude de le voir. Vous devenez complètement, c'est-à-dire, comment on dit ça, inactif. Ça ne vous fait absolument rien. C'est pas un jour quand tu vas regarder le film là, et ça fait quelque chose. Un jour, tu vas regarder. Les séries que les enfants ont suivi, 20 épisodes, 30 épisodes, 50 ou alors 100 épisodes. Si tu as commencé, tu as terminé. Donc, je ne vais pas te dire, quand il y a un nouvel jeune qui vient, ma chère, c'est une belle femme à sa vie. C'est comme ça que ça commence pour le début. Tu t'attrapes, tu vas terminer. Nous tous, on a regardé, c'est un point. Nous tous, on a regardé, c'est un point.
ferai mes envois et prenez de la vie éternelle de Dieu. Les gens vous attirent. Ils vous attirent, bien-aimé. Pour que tu t'empresses, c'est-à-dire, au moment de Jésus, l'endemain n'a pas vu venir, l'heure n'a pas vu passer, et puis tu as vu te pointer devant ton vivant. Vous devenez esclaves sans vous en rendre compte. Et puis la sainteté, le temps que vous devez prendre pour vous consacrer à des choses qui vont vous édifier, vous prenez ça à prix du feu, tout doucement, et vous ne vous rendez même pas compte. Bien aimé, nous cherchons la route du ciel. La Bible dit, nous avons lu Éphésiens du chapitre 1. C'est les droits là où là-bas, c'est pas du Dieu. C'est pas du Dieu. On a tendance à banaliser beaucoup de choses. Mais si tu veux être parmi ceux-là même qui vont aller à la rencontre de Dieu, le Saint des Saints, on vous dit le Saint des Saints. Nul n'est saint comme lui. Ni là où là-bas dans le ciel, il n'y a pas une image de saint comme Dieu le Saint. Éphésiens le chapitre 1, le verset 4. En lui, nous avons, nous, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant Dieu. De tout ce que sa mère bien aimée, je vous le dis, le Seigneur n'en a rien à voir. Parce que cette chair-là va tomber. Et ce qui doit être valorisé sera valorisé. Alors si vous ne prenez pas soin de nettoyer ce que Dieu lui-même doit valoriser, mais ça sera une perte de temps. Vous venez ici inutilement. Il y a certains gens qui vont jusqu'à dire qu'on peut faire de la sainteté, la prière. Les gens ont pris toutes ces choses. Et puis quelqu'un qui me pose la question, un poignet avec sa femme, est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on va la prier? Lorsque Dieu est dans ça, on va prendre le but dans toi c'est le pasteur qui a vu. Dans on va voir Genèse. Le chapitre 3. Voilà, le chapitre 3. Bien-aimé, je viens de lire un peu plus rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres de la terre? Il sème dans la tête de la femme le doute. Dieu a-t-il réellement dit? Elle va commencer à réfléchir. La femme répondait cependant, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le serpent est en train de dire à la femme, ce que Dieu a dit à ce fou, c'est vous avez. Dieu qui parle à sa créature, et puis une autre créature vient vous dire, qu'il ne faut pas l'écouter. Et puis toi aussi, tu as le temps de t'arrêter et d'écouter. Soyez saint, bien-aimé. Dans toutes vos conduites, même lorsque tout ce qui vous passe à l'oreille, vous devez filtrer cela. Tout ce que vos yeux regardent doit être filtré. Tout ce qui sort de votre bouche doit être également filtré. Soyons saints dans toutes nos conduites. Alors, je ne pas à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en. Voici la réalité.
La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Qui était auprès d'elle et qu'il en mangea. Le serpent n'a laissé pas l'approcher d'abord de l'homme. Il a vu la femme parce qu'il savait qu'avec elle, il pouvait obtenir le résultat. La nature elle-même nous dit que l'homme a toujours été à la hauteur et la femme en bas. Quand vous voyez même les animaux, quand ils veulent faire pipi, les animaux, les femelles, quand ils veulent faire pipi, ça baisse. Mais pas malheureusement. Quand un animal femelle, quand c'est une femelle, fait pipi, ça baisse. Mais l'homme, quand il veut faire pipi, il est meilleur sur sa tête. Là, c'est le début. Il se tient le début. Et puis, il pisse. La position de l'homme, c'est ça. La femme est en bas. C'est que l'homme est en haut. Même dans les choses comme ça, l'homme a son côté toujours. On vous a enseigné que il s'agissait ici d'une relation sexuelle entre le serpent ancien et la femme. Elle. Elle ne savait pas tout ça. La Bible nous dit que son mari était auprès d'elle et puis il lui a donné ce qu'il a mangé. Alors, pendant que le serpent ancien et puis elle était là, pendant leur rapport, tous les mouvements qui ont eu lieu, comment aller avec une femme, c'est le serpent qui a montré ça à elle. Le mouvement coïtal dont il s'agit, c'est le serpent ancien qui a montré ça. Elle, Adam aussi est arrivé. Elle a dit que ah, c'est intéressant. J'étais dit, elle a des témoignages. C'est intéressant. Adam, à son tour, voyant certainement comment les choses se passaient, et Adam, Ève, qui était dans l'effet de l'action, a pouvant cela a dit effectivement, c'était faux. Viens, Adam, je vais te montrer. Le mouvement, lorsque l'homme va avec la femme, c'est le serpent ancien qui a montré. Et puis vous devez Dieu être là quand vous devez aller. Voilà pourquoi le Seigneur, quand lui-même a décidé de venir, il n'a pas eu besoin de la main de cette ingéniosité du serpent qui a commencé depuis Ève et puis Adam. Et jusqu'à présent, il continue tout seul. Quand on est né, on est né pécheur. C'est-à-dire, depuis le mouvement, donc, on est, voilà, depuis le mouvement de la progression, de la création, depuis le mouvement, et de l'enfantement, depuis le mouvement, déjà, tout ça, nous, c'est le diable. Que ne savait pas. Elle, qui est là, ne savait rien. Je ne sais pas, c'est bizarre, on peut comment faire. Adam aussi a pris. Et puis nous aussi. Voici ce qu'il est. Le Seigneur, quand il est venu, il est venu directement. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a fait un mouvement de quoi que ce soit. Et puis il est sorti, c'est pourquoi lui il est sorti sans un brin de mouvement ou alors un diable. Il est sorti immaculé, sans péché. Qu'est-ce que ton mouvement brutal vient faire? Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te porter. Bien-aimé, l'esprit du Seigneur, quand on dit de prier, prier pour les choses de Dieu. C'est pourquoi en haut là-bas, il n'y aura pas ça.
Les capitales ou alors des ceux qui s'explosent ou on les promet 70 vieilles, les attendent. Alors peut-être par exemple, on a aussi pu continuer. Et ces 70 démons vont t'attraper. Ces 70 démons d'épée, peut-être que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai sans qu'ils s'en rendent compte. Mais ces 70 démons vont t'attraper. Et là, tu es dit ça. En toute chose, bien aimé, la position de la femme, sa sainteté, sa sanctification, ne doit souffrir d'aucun doute. Dans votre tête, vous ne devez même pas douter que effectivement vous êtes saint. Même dans votre tenue vestimentaire. On vous l'a dit ici, quoi? Quand vous mangez des jeux près du corps, vous voulez. Dessinez vos, comment on dit ça, c'est-à-dire votre silhouette. C'est pour toi. Tu me poses la question. Tu vas mettre ta vie tranquille. Au point où tes vins ne mourront plus mal, même à toi, fais ce que tu veux, ça. Ça te sert. Quand tu t'assois, même c'est compliqué. Tu ne fais pas de force à votre là. Mais ça montre que tu vois de nous habiller des saints. C'est pourquoi on dit chose. Ça aussi, les gens ont tendance à dire pour ma part, c'est ce que je crois. Je dis bien pour ma part. Je préfère que nos soeurs s'appuient en plus à l'esprit. Il y a quand même un millimètre. Parce que là, il n'y a même pas de lumière en ce moment. Qu'il y ait au moins une lumière dans votre vie. Pour que si la main voit le doigt puisse passer, ça puisse passer. Mais vous vous plaquez là, vous cherchez quoi? Un d'abord, tu as une main. Deux, tu plaques. Et regarde, tu marches en haut. Il ne sait pas ce que tu cherches en marchant de toi. On comprend bien si c'était peut-être. Une lettre qui n'a pas encore gagné quelqu'un, et bien fait ça pour attirer l'attention de quelqu'un. Mais la femme de Dieu, c'est pas ça qui va l'attirer. Amen. Moi, tu fais ça, il te regarde ça. C'est ton intérieur là, quand ça fait comme ça, il dit non. Voici quelqu'un que Dieu m'a fait pour moi. Et puis, c'est ça. Votre tenue, si vous ne réglez pas ça, et puis il y a des gens qui aiment regarder quand tous vos manchés sont dessinés, et là on parle parce que on voit même les traces de vos dessus. Ou alors vous allez mettre des tissus mous. Quand vous marchez, c'est tous vos entrailles qui ont besoin de nourriture. Et le pauvre monsieur peut-être est là qui pense à autre chose, qui n'arrive pas à penser à quelqu'un. Et c'est pourquoi dans ce jugement des Arabes, ceux qui ont pu nous mettre en ligne, tiens, on ne va pas vous demander ça. Mais on va vous demander simplement de vous faire vivre l'homme. Parce que si tu ne fais pas aussi attention, si tu t'appliques mal, c'est juste avoir le coup. Quand on vous dit que soyez saint, vous prenez ça à la lisière. Les gens jouent avec moi, il y a des droits. À cause des habits sur moi, c'est une situation. Habits. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Vous savez, souvent les gens disent, le Seigneur est vraiment. C'est-à-dire, la sanctification, être saint comme Dieu, être irréprochable,
C'est-à-dire qu'on ne doit même pas même, Dieu ne doit rien trouver à dire sur ta pensée, tes paroles, ton comportement. C'est-à-dire tout sur toi doit être irréprochable. Amen. Quand tu t'habilles en habit serré, quand on dit courez, c'est foutu. Bien avec Dieu. Je regardais un film, et puis il y avait une dame qui a mis un vêtement, enfin une jupe droite, très droite. Puis malheureusement, c'est pourquoi il était en fuite, et puis je suis en train de la bouche. Et puis ils ont commencé à tirer. Elle essayait de courir. Je dis que toi, tu es très serré, pas pour lui. Alors le monsieur qui était à côté d'elle, il est obligé de prendre un couteau. Il dit qu'il faut t'asseoir et se t'assis. Il dit qu'il faut mettre tes jambes de gauche à droite. Il a fait le soin, il a fait le couteau et la piscine. Il veut vous faire. Il dit qu'elle a fait face devant, face derrière. Elle court, elle a dépassé le sujet. Il y a des jeux qu'on appelle Isaac. Ça, quand vous dites, est-ce que je suis Isaac? C'est-à-dire qu'on est tellement dans le modernisme, au point où on a oublié même les bonnes habitudes de l'ancien temps. Amen. Quand on parle d'ancien temps, c'est qu'on voit encore ancien temps. On a 2016. Tout ça dans tout. On est. Le bruit qu'on ouvre en haut, il est en bas. Bien aimé. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15, dit. On remonte un peu au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Et si vous invoquez votre comme père, et si vous invoquez comme mon père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Bien-aimé, ce que tu regardes, les distractions, il ne faut pas mettre trop de fanatiques sur la terre. Tu regardes ça sobrement, sans faire tout ta part. Parce que le secret est à ton vie. Celui qui sent trop, tu veux au point où ton âme même monter sur le terrain. C'est trop bien-aimé, c'est trop. Il y a des chers qui vont regarder une film. Elles sont regardées, elles sont là comme ça. Elles sont là comme ça, elles regardent comme ça. Et puis c'est ce qui se passe. Quand on va voir, tais-toi. Oh! Mais ça c'est une raison. Imagine toi, tu es en train de regarder, puis ton âme est dans ton visage, puis le sujet tient. Ton âme sera sur le terrain, ou alors ta fille. Et puis, laissez-moi pas ça. Est-ce que vous comprenez même ce qu'on appelle être saint? Est-ce que vous comprenez de la confusion? En matière de notice du cœur, qu'est-ce que vous n'avez pas? On vous donne tout. Le Seigneur a mis à votre disposition des serviteurs imparables. Dieu a donné. Et qu'est-ce que nous faisons de ce? Même aussi, quand nous partons acheter des vêtements, on prend soin des regards. On fait attention. Quand tu fais avec ton enfant, bien aimé, on vous l'a dit tout le temps, il faut regarder. Dessin de la suite. Ou bien les petits qui sont bien.
Souvent, il y a des t-shirts ou bien des esprits humains, je suis le fils du diable. C'est une folie comme ça. Quand tu vois ce que c'est pas lui qui prend, et puis tu portes le problème. Dans tout ce que nous faisons, on doit faire attention. Le diable a mis son pouvoir partout, surtout dans la vie. Il a pris des gens. Et peut-être à mon appart. Au point où même, c'est-à-dire, il y a des enfants, même, ils vous en foutent. Vous avez rendu ce témoignage. Malheureusement, je ne sais pas dans quel. Mais je suis allé dans un où il y avait une dame, beaucoup, sans quoi, qui prononçait des informations. Elle dit quoi, tu me regardes. Bien aimé, je ne sais pas comment j'ai fait, mais en tout cas, la patate, quoi. Et puis, les plans, ceux qui sont curieux, vont dire quoi ce qu'il va faire. Oh, tu es foutu. Toi qui me regardes, en même temps, tu te retrouves, tu as un pénètre. Les gens pensent que c'est. Internet, c'est bon. Mais il fait beaucoup plus de mal que de bien. Tout ce que tu regardes, tu t'habilles, même nos dessous, les dessous que nous mettons, on fait attention. Même quand tu vas avec ta femme, on fait aussi attention. Elle est en bas où tu ne vas pas toucher. Tu touches. Je ne suis pas de toucher. Elle n'a pas compris. Donc, le fantasme, les fantasmes, les crimes. Quand tu es devenu Dieu, tu as crimé. Ah, Seigneur, tu es. Bien-aimé, franchement, on veut tous aller au ciel. Mais si tu veux être irréprochable, c'est-à-dire quand le Seigneur pose ces mots-là, je ne sais pas comment vous comprenez ça. C'est-à-dire quand Dieu n'est pas un homme, quand l'homme est très bien, non, tout le temps, il y a rien à dire, il est trop bien. Il est bien jusqu'à. On demande et tu ne connais pas comme ça. La vie, quand il est fait, même Dieu dit que lui ne doit pas voir d'erreur toi. Maintenant, c'est lui qui sont ses critères. Comment est-ce possible, nous qui sommes déjà nés pécheurs, mais il a dit qu'il a tout réparé. Ce côté ne regarde pas, il ne fait pas la chose. Il a mis ses cheveux déjà. Mais il veut faire une fois une exception. Il veut que depuis ta tête, depuis tes habitudes, depuis ton comportement, tu te comportes simplement. Le Seigneur va nous dire. Quand nous dit, femme, tu ne mettras pas de vêtements d'homme. Homme, tu ne mets pas de vêtements de femme. Ça veut dire que Dieu connaît qu'il y a vie à la femme, il y a vie à la femme. Voilà. Mais là, parmi nous, la vie est pleine de l'habitude. Regarde de la main de Dieu pour voir. Nous sommes tous d'accord. Il y a habit de femme et puis il y a habit d'homme. Mais là, toi qui mets habit de femme alors que tu es homme, est-ce que tu es en train de dire, enfin, on peut dire de toi que tu es ça, on peut dire de toi que tu es ça. Et puis toi aussi, tu aspires à la modification du Seigneur. La parole dit ici, tu as élu avant la fondation de la vie. Je vais mettre sur la porte, c'est
C'est un jeu, quoi. Lorsque tu te réveilles, ta vie, tes pensées sont passées au périphère. Tout ce que tu fais est passé au périphère. C'est-à-dire que le Seigneur va se calmer. Il va te mettre dans l'air après, on appelle hier même dans le cas qu'il soit plus loin de chaque fois. Donc, on va Lévitique du chapitre 10. Oh Seigneur, vraiment c'est compliqué. Souvent je suis là, effectivement, mais quand il dit les évangiles, il dit, qui peut se sauver? Qui peut? Cette question de regarder ce moment-là, ça en fait, allons. Mais cependant, Dieu a dit que parmi vous, il y a des gens. Mais quand vous lisez même la vie des hommes de foi d'avant, et puis vous comparez à vous, vous pensez que c'est même chose. Quand vous voyez l'écart qu'il y a entre vous, vos habitudes et l'habitude de nos pères dans la foi, vous ne mettez pas toujours en cause. Dites-vous, mais comment vais-je faire? Mais tu te couches avant la face du Seigneur. Tu Seigneur, Dieu dit à lui. Par toi seul, peux me rendre capable d'ajouter foi à mon élection. Mais donne-moi véritablement tes vies pour être digne et lui de Dieu. Quand c'est nous, la jambon va y aller. Mais ce que tu peux faire, bien lui, fais-le. Tu peux t'habiller normalement. Tu peux être absolu de regarder certains films qui ne vont pas bénéficier. Tu peux être absolu de tout ça. Mais ne faisons pas des choses avec passion. Pour rendre, c'est-à-dire tout notre être est captivé. Il faut faire attention. Ton propre frère qui t'est venu à côté de lui, si tu ne fais pas attention. Parce que tu as des réserves vis-à-vis de ton frère. Tu as des pensées un peu bizarres vis-à-vis de ton prochain. Mais là, Dieu va t'attendre pour te dire, c'est pas normal que tu penses ainsi. Parce que le peuple de l'éleveur, c'est le la terre. Nous avons reçu. Nous avons un sujet. Nous sommes entourés des choses qui nous empêchent de pouvoir faire ce que le Seigneur veut. Et si nous ne dictionnons pas ces choses, nous allons très facilement nous laisser avoir. Et puis ça sera trop tard. Continuons, nous bien investisseurs, je vous prie de faire encore un peu d'effort. À partir de maintenant, si vous essayez de nouveaux pains, alors dites de carrière, pas il va trop vous aider. Le cas de cette espèce. Si vous pouvez commencer à courir avec ça, je lui dis, faut d'appeler la nouvelle chose. Mais faites de sorte qu'il puisse courir dans ses examens. Parce que les temps n'ont pas besoin d'être ça. Son idée, il va falloir lui mettre aussi. Mais il faut oublier de se lever sur la situation de faire. C'est pour ça. Alors, je vous dis, c'est pas le temps.
Ses frères aussi. Vous aussi, les très près du corps. Tout ça, c'est l'amour, bien. Après, les très près du corps, après, votre enfant dans sa sorte. Et puis derrière, ils ont besoin de son côté. Donc, tu es malade, tu es malade. Il faut que des choses passent des sons. Non, non. Pas pour dire que les pantalons platis. Quand c'est une fois pour enlever, même tu es obligé d'appeler quelqu'un par la vie, mais tu es pas tiré par cette fois. Les cheveux aussi, vous portez normalement. C'est pas j'ai bien aimé mon frère de frère. J'ai pas dit à des frères, je les ai fait mon. Les frères est venu avec. C'est ma faute. Hein? C'est ça? Voilà. Les frères de frère. Quand ils sont venus la main, il a fait deux choses, il a bien. C'était vrai. Il a pris son enfant, il a fait tous. La famille s'est fait, elle a fait tous ses bêtes. Mais regardez le travail du Seigneur. Amen. Lui-même. Pour que c'est fait, c'est quoi ton âme? C'est l'esprit du travail de Dieu. Ça a tourné. Et son enfant aussi, il se voit normalement. Je mérite les attentes, le temps pour moi, pour le pasteur de. C'est sûr que le Seigneur n'a plus fait ce qu'il doit faire, à nous autres aussi de faire notre part, d'aimer les grâces. Ce n'est pas un jeu. Celui qui veut être un ami de Dieu, il ne doit pas jouer avec sa vie. Mais loin de détails de votre vie, à la faveur de Dieu. Alors lorsque vous vous souciez de chaque détail, vous verrez que vous allez devenir ce que le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il nous apporte vraiment tout ce qu'il nous faut pour lui plaire pour toujours. Amen.